Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo que je suis extrêmement heureuse de vous faire puisque c'est une vidéo revue et présentation des lots d'un futur concours qui arrivera sur ma page Facebook en partenariat avec une boutique juste magnifique. C'est totalement mon univers. Si j'aurais pas fait des bijoux, j'aurais aimé gérer une boutique comme celle-ci. Donc la boutique, c'est Tam Toki. Donc je vous mets le nom de la boutique ici et je vous rappelle que comme pour toute vidéo, tous les liens cliquables, etc., etc., se retrouvera dans la barre d'infos. Donc vous avez juste à regarder en dessous pour découvrir tous les liens. Alors, Tam Toki, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque il y aura sûrement pas mal de personnes qui ne connaissent encore pas, c'est une petite boutique en ligne gérée par Jessica, qui est une très très gentille personne, une très gentille fille, qui a accepté ce partenariat et a accepté de faire partie de l'aventure pour ce concours des 15 000 fans. Donc je n'ai pas encore 15 000 fans là pour vous dire, je vais vous dire à l'heure d'aujourd'hui, que je vous dise pas de bêtises, au moment où je fais la vidéo j'ai 14 878 fans sur ma page bijoux, donc le concours devrait pas tarder à débuter. Et donc voilà, j'ai contacté Jessica, on a un petit peu parlé et elle a bien voulu donc m'envoyer quelques petits cadeaux pour vous faire gagner. Et les cadeaux sont en rapport avec les loisirs créatifs pour que ça reste quand même dans le thème de ma page Facebook. Donc, pour vous parler un petit peu de sa boutique, alors déjà vous allez tout de suite être charmé du design. On dirait un peu un design simpliste comme un blog, mais justement c'est le côté super simple et super mignon que j'adore. Très girly, très kawaii. Donc voilà, donc déjà le design vous allez voir super mignon et c'est le site pour naviguer à l'intérieur, c'est d'une simplicité enfantine. Vous avez les onglets en haut, nouveautés, papeterie, loisirs créatifs, etc. Vous avez qu'à cliquer et tout est très bien classé, très bien, voilà, c'est un site vraiment très très bien réalisé. Alors pourquoi Jessica a voulu créer sa boutique Tam Toki en quelques mots, et elle a pas tort du tout. C'est vrai que quand on cherche des produits japonais et asiatique en général, on a du mal à en trouver sans passer donc par exemple par eBay ou autre chose, et avec des risques de frais de douane, et c'est vrai qu'on trouve pas facilement. Et Jessica a voulu donc créer sa boutique en ligne pour vous proposer donc des gadgets venant de l'Asie principalement. Voilà, pour que ça soit plus facile pour vous et que vous puissiez directement acheter dans une boutique française plutôt que de chercher pendant longtemps et de vous risquer à des frais de douane et autres difficultés qui peuvent apparaître lorsqu'on achète à l'étranger. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans sa boutique pour vous parler un petit peu de la boutique Tam Toki? Alors, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est déco de cuisine, c'est-à-dire des petits saladiers, déco de l'appartement en général. Qu'est-ce que j'ai vu? Des petits porte-clés qu'on accroche au mur, des petites décos pour les verres, des petits pics, vraiment plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que c'est des choses très originales qu'on ne trouve pas dans nos magasins chez nous, qu'elle nous propose. Il y a aussi tout ce qui est loisirs créatifs venant d'Asie, donc plein de tout ce qui est pâte, paper-clés, etc., des choses qu'on n'a pas forcément ici. Il y a tout un rayon papeterie, alors ça j'adore la papeterie, donc c'est un petit rayon qui me plaît pas mal. Vous avez aussi tout ce qui est high-tech, donc des coques toujours kawaii d'iPhone, etc. Donc voilà, vraiment allez faire un tour dans sa boutique, vous serez vraiment pas déçus, c'est une très 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 jolie boutique. Voilà, donc je remercie encore Jessica d'avoir participé pour ce futur concours et de devenir la partenaire. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu des produits qu'elle m'a envoyés et essayer de vous les décrire au mieux. Et je suis sûre que pour ceux et celles qui sont pas patientes et qui ont peur de ne pas gagner et qui aimeraient directement aller les acheter, n'hésitez pas. J'ai déjà pu tester quelques produits similaires et c'est de très très bons produits. Alors, pour vous montrer un petit peu la générosité de Jessica avec moi et vous, voici le colis. Voilà, vous voyez ? Il me dissimule, et pour qu'il me dissimule, il en faut. Hein. Donc voilà, voilà ce colis, et je vais vous montrer donc ce qu'il contient. Alors déjà, elle m'avait marqué, elle m'a marqué à l'intérieur un petit mot super gentil pour me prévenir que donc qu'elle était super contente de participer à cette aventure avec moi, qu'elle adorait ma boutique,
Ça tombe bien, c'est réciproque. Et donc, qu'elle m'a offert quelques petites choses pour moi en plus des cadeaux pour vous. Et donc, les petites choses pour moi se trouvaient dans un petit paquet cadeau comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'il contenait, je suis super contente. Alors, il contenait déjà deux crayons. Donc là, vous avez un crayon de papier qu'il faut tailler. Ouais, c'est ça, qu'il faut tailler. Et donc dessus, c'est des petits cupcakes, des petits cœurs, des petits bonbons. Donc je trouve ça juste trop mignon parce que moi j'adore. Et un stylo super mignon. Donc il est rose comme ça avec des petits nounours, des petits pandas. Et une petite breloque tablette de chocolat. Voilà. Ensuite, une petite planche de stickers avec des donuts, plusieurs mini donuts. Voilà, en relief. Ensuite, un petit bloc-notes avec des petits marque-pages, enfin des petits autocollants pour marquer les pages. Quand par exemple vous avez un livre de recettes, vous collez ça, vous laissez dépasser le petit dessin du haut, comme ça vous pouvez facilement retrouver des pages. Et puis en dessous, il y a un mini bloc-notes, comme ça. Et dernière chose, un set de lettres, donc super mignon. Comme vous pouvez voir derrière, donc vous avez de quoi écrire des lettres. Il y a peut-être même des enveloppes, j'ai pas encore ouvert, j'étais super pressée de vous faire la vidéo. Donc voilà, donc ça c'était mes petits cadeaux pour moi. Donc merci Jessica, ce petit geste me touche beaucoup et à chaque fois que je vais m'en servir, je vais penser à toi. Voilà, alors on va passer maintenant à ce qu'elle m'a envoyé. Je vais vous expliquer donc un peu le contenu. Et ensuite, je vous expliquerai comment se déroulera ce fameux concours lorsque j'aurai atteint 15 000 fans. Alors, on va commencer par les deux plus grosses choses, enfin ce qui prend le plus de place. Voilà. Alors, ce sont deux gros paquets comme ça. Donc, je vais essayer de vous les montrer. Il y en a un qui ne ferme pas très bien. Voilà, donc ils sont identiques. Pour vous expliquer, il y en a un que Jessica vous offre. Et un que j'avais commandé dans sa boutique grâce à un code promo que j'avais gagné sur un concours, le concours de Happy Nounours. J'avais gagné donc 15€ de réduction et j'en avais profité pour prendre un petit kit comme ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contenu. Donc là il y en aura un pour... Donc moi j'offre celui que j'avais acheté avec le code promo. Et donc Jessica vous en offre un aussi, donc il y en aura un pour un par personne. Il y aura deux gagnantes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ce petit kit s'appelle Happy Cookie Kit Paper Clay Deluxe. Donc, qu'est-ce que la paper clay? Donc, je vais vous expliquer déjà un petit peu le descriptif. C'est un nom anglais donné à ce type de pâte à modeler constituée d'argile et de fibres de cellulose issues du papier. Alors, la paper clay, contrairement à la pâte Fimo, ne se cuit pas. C'est une pâte qui a un effet un petit peu très léger. Et ça se travaille très, 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 très facilement. Ça se moule, si vous avez des moules, ça se moule très bien et ça sèche à l'air libre. Vous attendez une bonne journée, après voire plus, ça dépend de la taille de votre création. Ça sèche rapidement et le rendu est très joli, très léger. Et donc voilà, ça ne se cuit surtout pas. Donc là, vous avez deux gros kits d'une valeur de... Que je vous dise pas de bêtises. D'une valeur de 26€ chacun. Voilà, pour vous dire que vous êtes quand même énormément gâtés. Donc celui que j'avais commandé à la base pour moi et que j'ai voulu vous offrir, il est un petit peu ouvert mais je me suis servi de rien. Mais je vais en profiter pour vous montrer ce qu'il contient. Donc à l'intérieur vous avez une notice en japonais. Mais Jessica a créé ses propres petites notices en français pour justement vous expliquer le contenu et comment vous servir de votre kit. Et ça c'est juste super puisque si jamais vous l'auriez commandé à l'étranger, il y aurait juste eu la notice comme ça en japonais. Et là je trouve que l'idée qu'a eu Jessica de faire ses propres petites notices en français pour vous aider justement à comprendre comment fonctionne cette pâte et le descriptif complet en français, c'est juste une idée tip top. Donc à l'intérieur vous avez plein de moules. Alors vous avez par exemple des moules comme ça, tablettes de chocolat, des cœurs, des petits gâteaux. Ici vous avez des macarons, encore des gâteaux, des étoiles, là des donuts, des gâteaux, plusieurs choses. Et ici des macarons gros, assez gros en cœur, en rond. Voilà, vous avez donc 4 plaques de moules en intérieur. Ensuite,
Vous avez des petites fleurs comme ça décoratives. Voilà, des petites perles. Des petits rubans comme ceci. Ensuite, vous avez plusieurs... Alors, ça sent super... La pâte sent bon et dès que vous ouvrez la boîte, ça sent hyper bon. Donc là, vous avez plusieurs petites choses. Donc vous avez des petits strass, des petites pommes, des mini framboises, un petit bâton pour faire une grosse glace, une chaîne et des petits straps. Ici, des petits cœurs et un petit fruit. Je ne sais pas trop ce que c'est ce petit fruit. Et des petites billes comme ça. Voilà. Ensuite, donc ça, je vous ai déjà montré. Vous avez donc une... Enfin, vous avez plusieurs pâtes. Alors, j'espère que je ne vais pas dire bêtises. J'ai pas personnellement lu la notice. Voilà, c'est ça. Alors, cette pâte-là, si je ne me trompe pas, c'est la Creamy Clay. Et donc, c'est avec ça que vous allez faire vos créations. Donc, elle est toute légère. Vous appuyez, c'est tout mou. On dirait, on dirait du papier. Bah, c'est fait à base de papier. Donc, vous avez trois coloris différents, comme ça. Ah, vous en avez un autre plus foncé, voilà. Un marron plus foncé, vous avez quatre coloris différents. Vous avez ensuite une pâte. Alors, l'odeur, ça sent super bon. Une pâte comme ça, rose pailletée. Donc, aucune pâte... aucune pâte ne se cuit. Et en fait, ces pâtes-là, si j'ai bien compris, vous en avez trois gros sachets, là, comme ça. Et ces pâtes-là, c'est pour faire la chantilly sur vos créations, qui sèchent également à l'air libre. Et vous avez une douille avec, enfin une poche et une douille ici, pour vous servir de la chantilly. Et vous avez à l'intérieur, en plus, un petit gel comme ça. Donc c'est ça qui embaume la boîte, c'est un gel senteur. Vous en ajoutez une goutte dans votre pâte, vous mélangez et votre création sentira super bon. Voilà. Donc quand même un très très beau kit, très complet. Donc je vais essayer de tout remettre bien. Voilà, vous avez vraiment plusieurs choses et vous avez de quoi faire vraiment pas mal de créations. Et je trouve que l'utilisation, en plus là vous avez les moules pour vous aider, l'utilisation est plus simple que de la pâte Fimo. Hein. C'est vraiment plus léger, ça se travaille très très facilement. Voilà, on referme ce petit kit. Donc des kits comme ça, il y en a deux. Donc deux fois plus de chances d'en remporter. Ensuite, vous avez un petit paquet comme ça que Jessica a composé. Donc j'ai pas voulu défaire et refaire moi les lots. J'ai voulu les garder vraiment comme ça. Donc vous avez le fameux... Donc je les enlève juste pour vous montrer. Vous avez le fameux gel senteur. Donc le gel senteur, pour vous dire, il est d'une valeur de 4€ sur la boutique Tamtoki. Vous avez plusieurs senteurs. Vous avez donc celui-ci, je ne sais pas du tout ce qu'il sent. Puisque on est d'accord, ce n'est pas écrit en français. Je dirais amande. Je suis pas sûre. Mais sur le site, pour 4€, vous pouvez avoir un gel senteur à mélanger dans votre pâte pour que vos créations sentent bon. C'est toujours agréable. Et donc vous avez sur le site amande, chocolat, fraise verte, sirop d'érable, soda et vanille. Voilà, vous avez plusieurs senteurs. Ça vaut 4€. Donc ça, ça fait partie d'un même lot. Ensuite, pour toujours ce même... Youp! Pour ce même lot, vous avez de la pâte. Alors, j'enlève pour vous montrer, hein, mais je remettrai tout bien. Voilà, elle est toute molle, c'est trop marrant. Donc, la Mermaid Puffy. Alors, la voici, parce que j'ai ouvert sur le site les pages correspondant aux produits. Donc, un paquet comme ceci coûte 5,50€ dans la boutique. Donc, c'est assez gros, vous pouvez quand même faire pas mal de créations. Vous avez plusieurs... Enfin, vous avez trois coloris, biscuit, donc qui est celle-ci. Donc c'est une des couleurs quand même les plus intéressantes pour faire les bijoux gourmands. Moi qui... Je me sers pas du tout de ces produits-là, moi je me sers de la pâte Fimo, mais la couleur biscuit, c'est une couleur très très demandée. Avec laquelle on peut faire vraiment le plus de créations gourmandes. Donc vous avez biscuit, blanche et chocolat sur le site. Celle-ci, c'est biscuit. Donc pareil, c'est une pâte qui ne se cuit pas. C'est un format de 50 grammes apparemment. Donc c'est une pâte à modeler auto-durcissante, waterproof et très légère. C'est vrai que c'est léger. Un pain comme ça, on dirait que c'est lourd, mais c'est très léger. Donc en petite création, ça doit être encore plus léger. Waterproof, donc ça c'est sympa, on sait jamais. Possède des propriétés parfaites pour la réalisation de vos créations de bijoux et accessoires gourmands. Cette pâte d'argile importée du Japon vous étonnera par sa consistance douce, souple et veloutée. À tester d'urgence pour les créatrices en herbe. Voilà, tout est dit.
Ensuite, vous avez une petite planche de stickers gourmands comme ça. Voilà, avec des petits biscuits, des petits donuts. Je les trouve juste mignons. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il y en aura aussi avec les kits comme ça. Une planche de stickers. Voilà. Et ensuite, vous avez un paquet avec des moules. Donc ces moules-ci. Voilà, des gâteaux, des cœurs, des macarons en forme d'étoile et en rond. Donc tout ceci constituera un seul et même lot. Hop, le petit gel senteur. Voilà. Et je vais vous montrer le dernier lot qui est tout aussi beau. Donc le voici, toujours composé par Jessica. Donc vous avez du faux coulis. Alors ça, je m'en suis jamais servie, mais je trouve ça juste super. Donc voici à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est d'une valeur de 4,50€. Pareil, vous avez plusieurs. Vous avez plusieurs coloris. Vous avez caramel, chocolat, chocolat noir, fraise, fraise au lait, kiwi, mangue, myrtille, yévani. Vous avez vraiment le choix. Il me semble, vu la couleur, que ça doit être chocolat noir. Voilà. Ça ne se cuit pas, il me semble. Semble parfait pour ajouter une petite touche de couleur à toutes vos créations. Sa texture donne à ce produit un aspect liquide comme une véritable sauce, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir quand même le travailler facilement. Voilà, donc c'est à ajouter par-dessus vos cupcakes ou gâteaux ou tout ce que vous faites en fimo. En fimo, hein, pas sur vos vrais gâteaux. Sinon, vous allez être très très malade. Ensuite, toujours la même petite planche de stickers avec les petits gâteaux. Et là, donc, vous êtes gâtés. Vous avez un gros paquet comme ça. Alors, pour vous dire un petit peu ce que c'est de la fausse chantilly d'une valeur de 12€, ce paquet-là. Pareil, vous avez plusieurs couleurs, vous avez chocolat, fraise et vanille, donc là vous l'aurez compris, c'est strawberry, fraise. Et pareil, donc ça ne se cuit pas. À l'intérieur, vous avez 120 g de pâte, ce qui est quand même énorme, donc je l'ouvre pas pour vous montrer, mais si vous allez sur site, vous allez pouvoir voir plus de photos et donc découvrir un petit peu plus en détail vos lots, enfin vos futurs lots. Vous avez deux poches à douille, une douille et une cuillère en plastique, donc trois coloris, ça je vous l'ai dit. La petite description, donc la fausse chantilly Padico imite parfaitement l'allure d'une crème fouettée d'un aspect mat. Cette décoration auto-durcissante et résistante à l'eau adhérera parfaitement à vos bijoux ou accessoires pour dolls. Elle pourra également servir à rendre une coque de téléphone plus gourmande ou pour vos bijoux gourmands bien sûr. Donc voilà, donc ces trois petites choses là composent un autre lot. Voilà, je vous ai tout montré. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ces produits-là et sur d'autres produits, n'hésitez pas à aller dans la boutique, les liens sont toujours en bas. Alors la vidéo se fait longue, je vais essayer de me dépêcher, mais j'avais tellement de choses à vous dire que je pouvais pas faire plus court. Parlons sérieusement, parlons du concours. Donc le concours débutera dès qu'il y aura 15 000 fans. Donc si par exemple les 15 000 fans, je les ai ce week-end, la première journée du concours débutera lundi. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Concrètement, on a combien de lots différents? On en a un, on en a deux, on en a trois et quatre. Voilà, on a quatre lots différents. Ce que je vais faire, donc je voulais pas, à la base, je voulais faire un énorme concours pour faire tout gagner en même temps, mais faire plusieurs gagnantes, bien sûr. Et après, je me suis dit que vu que j'ai l'habitude avec les petites histoires... lorsqu'il y a des concours, il y a toujours des histoires. Là, la valeur des lots n'est pas... la valeur en prix n'est pas pareille pour tous les lots. Et je me suis dit, s'il y en a qui gagnent ça plutôt que ça, ça va faire des histoires. Donc j'ai réfléchi dans ma petite tête, hein, je réfléchis, ça m'arrive. Et je me suis dit, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas répartir sur une semaine complète les lots. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Ça sera la semaine concours Créafimo Gourmandise et Tamtoki. Et je pense que c'est une très bonne idée et que ça permettra donc il y aura pas d'histoire, voilà, il y aura pas d'histoire, ça sera plus simple pour tout le monde. Alors je vous explique comment ça va se passer. Dès que la page atteint les 15 000 fans, le lendemain sûrement, le temps pour moi de faire les photos, enfin de mettre en place tout ça, le lendemain des 15 000 fans débutera le premier lot à gagner. Donc par exemple, prenons un exemple, je fais gagner un de ces kits en premier. Ce
qui va se passer, imaginons que j'ai les 15 000 fans ce week-end et que lundi on commence le concours. Lundi et mardi, donc vous allez avoir 48 heures sur ma page Facebook pour remporter ce lot. Donc ça se passera comme ça se passe pour les concours flash, puisque c'est le plus simple et c'est ce qui emmène moins de tricherie et moins d'embrouille. Clairement, puisque à chaque fois que je fais des concours avec des participations, des photos, etc., il y a toujours de la tricherie et c'est de pire en pire. Et je voulais vraiment éviter ça, je voulais faire quelque chose d'assez simple. Donc là, par exemple, vous allez avoir 48 heures pour participer sous la photo de ce kit que j'aurai mis sur ma page Facebook, vous allez mettre j'aime, vous allez partager la photo, aimer ma page, ça change pas. Le petit plus, ça sera d'aimer la page fan Facebook de Tamtoki, puisque c'est quand même grâce à elle que vous allez pouvoir remporter ces petits cadeaux. Donc c'est une façon pour vous de la remercier. Voilà, ça sera juste, ça sera les mêmes conditions que les concours flash sur ma page, à part qu'il faudra aimer la page fan Facebook de Tamtoki en plus pour participer. Voilà. Au bout des deux jours, donc par exemple lundi matin le concours commence. Mardi soir à minuit, il y a le tirage au sort. Tirage au sort qui se fait toujours avec random.org, qui est un site qui permet de tirer au hasard un nombre. Et voilà, la gagnante qui sera tirée au sort gagnera ce kit. Mardi matin, donc tout de suite le lendemain matin, par exemple, hop, je mets en jeu un deuxième kit qui sera à gagner. Vous allez donc avoir 48 heures pour gagner le deuxième lot. Ça sera pareil, au bout des 48 heures, à minuit, je ferai le tirage au sort avec random.org. La personne qui aura gagné gagnera ça. Et ainsi de suite pour les 4 lots. Ce qui fait que le concours dure. Enfin, les lots et le gros concours durera 8 jours. Et sur toute une semaine, tous les 2 jours, vous allez avoir une chance de gagner un lot. Donc ça vous laisse quand même 4 chances de gagner, ce qui est quand même pas mal, surtout que les lots sont plus que magnifiques. Et donc pour toutes celles qui aimeraient tester vraiment les créations et tout ce qui est bijoux, c'est juste une opportunité énorme. Voilà. Donc je peux pas vous dire quand le concours commencera, pour celles qui se poseront la question, dès qu'il y aura 15 000 fans, hop hop hop, vous saurez que le lendemain... le concours débutera, donc voilà, tous les 2 jours un lot différent à gagner. Tout ça durera donc 8 jours vu qu'il y a 4 lots, c'est logique. J'espère que ce système vous paraît simple. Moi j'ai vraiment réfléchi, c'est ce qui me paraissait vraiment le plus simple et ce qui apporterait le moins d'histoire. Voilà, que vous dire de plus, donc à part d'aller visiter la boutique de Tamtoki, aller faire vos petits achats si le cœur vous en dit, il y a vraiment un énorme choix. Et il faut savoir que Jessica remet des nouveautés assez souvent. Voilà, donc moi Jessica, je te remercie vraiment. Je t'ai déjà remercié en message privé, mais je tenais vraiment à te le dire en vidéo. J'adore vraiment ta boutique et je pense que incessamment sous peu, donc sûrement la semaine prochaine, je vais craquer pour plein de petites choses et tester peut-être à mon tour moi aussi ces pâtes qui me tentent vraiment. Voilà, après avoir vu en vrai les petits kits, ça me tente vraiment d'essayer, donc je pense te passer une très belle commande pour moi. Voilà. Voilà, que vous dire de plus, à part que voilà, je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma page, ça me fait vraiment chaud au cœur, je reçois des messages, des mails d'encouragement et de félicitations pour mes créations, et ça n'a pas de prix, ça me booste à fond, ça me touche vraiment, vous êtes des amours. Voilà, donc moi je vous retrouve dès les 15 000 fans pour le début du concours. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook que je vous mets en dessous ou le site de la boutique de Jessica, donc Tamtoki. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.